C'est mieux là? Est-ce que vous m'entendez là? Est-ce que c'est bon? Coucou Jocelyne, coucou Maretine, coucou Makati. C'est ok, ça marche? Ah, ouf, on recommence. Je vous explique, j'ai supprimé tous les cookies de mon ordinateur hier parce qu'il a fait des choses que je voulais pas qu'il fasse. Donc le problème vient certainement de ça. Donc je vous disais bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tu dis bonjour? On est super contente de vous retrouver aujourd'hui. Coucou Aurore, coucou Makati, coucou Crapouillot. Cool, super, tout le monde est là. Martine. Génial, coucou ma Sandrine. Du coup, j'avais déjà salué Émilie tout à l'heure, mais vous m'entendiez pas. Coucou ma Mumu. Je vais y arriver. Hello Véronique. Ah, Cathy te dit bonjour. Avant de commencer, avant toute chose, Cathy, je ne sais pas si tu es toute seule, mais si ce n'est pas, si c'est le, non, si tu n'es pas toute seule et si tu es en charmante compagnie, joyeux anniversaire, ma petite Louise. Je crois que c'est aujourd'hui. Je t'envoie plein de gros bisous, ma chérie. Voilà, je voulais vraiment le faire. Lily, il est où ton bonnet de Mère Noël? J'ai pas voulu le mettre. Il n'aurait pas voulu le mettre. Voilà. C'est pas grave. Alors, je faisais le singe devant mon écran pour te dire qu'il y avait du son. Oui, tu me disais ok. D'accord. Bah, j'aimerais bien, mais je te vois pas dans ces cas-là. Bienvenue tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce live 86. Nous sommes mercredi, il est 14h et on se retrouve comme chaque semaine sur la page Harmony Scrap pour un live créatif. À celles et ceux qui nous rejoignent pour la toute première fois, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à faire un petit coucou dans les commentaires. Coucou Amandine. À vous manifester pour me dire coucou, moi c'est la première. Je serais ravie de le savoir. Et puis bah, je vais me présenter. Je suis Harmonie Marais, démonstratrice chez Stampin' Up depuis janvier 2020. Et je vous présente ma petite chérie, Lily. En fait, Lila, mais que tout le monde appelle Lily. Qui aime bien venir faire les petits lives avec sa maman le mercredi après-midi, de temps en temps. Hein? Ouais. Ouais, voilà. La semaine dernière, on a eu Clem, et là, ma petite Lily est de retour. Coucou Brigitte, beaucoup de boulot pour moi aujourd'hui, alors je ne peux pas rester, mais ça fait plaisir de vous voir. Oui, Amandine, je t'envoie plein de courage, ma belle. Coucou Muriel, tu vas bien? Coucou Michaela, vous découvrez aujourd'hui, bah, bienvenue, j'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie. Aujourd'hui. Coucou ma Fabienne. Bonjour à tous, c'est mon premier live avec vous. Là là, je stresse. Cathy, tu dis n'importe quoi. Coucou Sandrine, comment vas-tu? Coucou Martine. T'as vu, il y en a plein qui te font coucou. Ouais. C'est cool, hein? Bon, je suis ravie, ravie. Alors, aujourd'hui, quoi de neuf? On va faire notre live créatif, notre petit porte sucre d'orge, un projet typiquement de Noël, hein, parce qu'on est en pleine préparation, on est bien d'accord. Un projet super simple aussi, que vous pouvez décliner, que vous pouvez utiliser pour plein de choses. Je vous le disais dans l'article, pour un cadeau pour les maîtresses d'école, parce que Dieu sait si elles galèrent là. Pour les collègues aussi, pourquoi pas, ou pour nos petits loulous à accrocher dans le sapin aussi, par exemple. Voilà, plein de possibilités pour ce projet. Je suis sûre que vous trouverez une utilité adéquate, vous allez voir, c'est très facile. Avant de démarrer notre live créatif, vous en avez l'habitude, je vous donne deux trois petites infos, notamment aujourd'hui, vous avez dû le voir passer. D'ailleurs, certaines d'entre vous en ont déjà profité aujourd'hui. Stampin' Up vous offre les frais de port pour vos commandes des 40 euros d'achat, et c'est juste aujourd'hui jusqu'à 23h59. Dernier carat. Voilà. C'est précis. C'est très précis, on est bien d'accord. Oh, ma petite Laurence, bon courage pour ta vaccination, ma belle. Oui, effectivement, c'est très très précis. Ça a commencé cette nuit à minuit et ça se termine cette nuit, là, dans la nuit de mercredi à jeudi, de à 23h59. Donc. C'est pas bien parce qu'ils font que 23h59 minutes.
Ah oui, mais ça a commencé très tôt, à minuit quand même. Oui, mais même. C'est quand même pas mal, ça fait 24 heures de promo, Oui, mais même. c'est-à-dire que tu peux te faire plaisir et du coup tu payes pas les frais de port. Ça, c'est plutôt cool. Et du coup, vous vous souvenez, nous sommes toujours en période de liquidation du mini-catalogue août-décembre. Du coup, bah, il y a plein de produits, il y a au moins moins 50%, il y en a plein comme ça. Donc c'est plutôt le moment de vous faire plaisir, avec en plus des nouveautés dans le coin des bonnes affaires aussi. Donc bref, hein, s'il y a un moment où il faut se faire plaisir, je crois bien que c'est celui-ci. Non? Vous ne croyez pas? Moi j'en suis sûre. Deuxième info, les mini-catalogues janvier et juin 2022. Ça y est, nous commençons à travailler dessus. Enfin en tout cas, je commençais à travailler dessus. Et du coup... Ah oui, encore ces commentaires à la noix, ça m'agace. Coucou Gaëlle, ça va ma belle? Ça fait plaisir de te voir ici, j'espère que tu vas mieux. Donc ce mini catalogue, en ce moment, nous sommes en train, nous les démonstratrices, de s'en occuper pour pouvoir vous les envoyer. Sachez d'ores et déjà que aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, toutes les personnes qui m'ont demandé un mini catalogue, et bien sûr mes clientes actuelles, vos catalogues, mesdames, sont partis. Voilà. Donc, si il y en a encore parmi vous qui ne sont pas mes clientes, mais qui n'ont pas de démonstratrice, attention, je vous invite à compléter le formulaire qui est au-dessus de la publication si vous voulez recevoir votre exemplaire. Voilà. Je vous montre la couverture tout de suite. Il est toujours aussi beau, hein, je ne peux pas dire le contraire. Il y a encore des pépites dedans. Et puis en plus, on va démarrer une nouvelle période de Celebration au mois de juin, au mois de janvier, la première de l'année 2022. Du coup, voilà, il est magnifique, il est vraiment magnifique. Donc, des cœurs pour le catalogue. Oh, ma petite Fabienne, tu l'as reçu du coup? Il est déjà arrivé, toi? En tout cas, voilà. N'hésitez pas. Oui, ma Cathy, je sais, je sais. Ah, j'adore ta réponse. Coucou Claudine, comment vas-tu, ma belle? Ça fait plaisir de voir que tu es toujours là chaque semaine. J'espère que du coup ça te plaît, mais ça doit l'être, hein, du coup, parce que tu reviens chaque semaine. Donc ça me fait très plaisir. Je te remercie beaucoup. Oui, Gaëlle, je suis contente de te revoir aussi. Bah, bon courage, hein. Je vais jongler entre les deux pour pouvoir écrire. T'as encore des soucis, crapouillot? C'est pas possible. Il va falloir trouver une solution. Hein. Un troisième truc, une tablette, j'en sais rien. Trouve un truc. Pourquoi Bon. vous l'appelez comme ça? Crapouillot, c'est son surnom. C'est une des chippies qui lui a donné surnom un jour. Et puis du coup, ben, plus personne l'appelle par son prénom. Plus jamais. D'ailleurs, il devrait carrément changer son nom sur son profil de Facebook parce que c'est mort. Oui, voilà. Tu vois? Alors, on va démarrer donc ce live créatif. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire ou bien sûr en message privé. Il n'y a pas de problème. D'accord. Vous allez voir, le projet est très très simple. Si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos profils, dans vos groupes préférés. Attention, pas sur le groupe de mes collègues, s'il vous plaît, faites bien attention. Mais allez-y, partagez, parce que c'est... J'existe grâce à vous. Alors, merci beaucoup. On y va? Oui. Alors, c'est parti. Vous avez donc à l'écran le porte-sucre d'orge, un projet super simple, je vous l'ai dit. Tout mimi. Crapouillot à la vie, ouais, c'est ça. J'essaie de là d'être là pour voir les quatre mains. Oh, c'est mignon. T'as vu, il y en a qui sont là aussi pour toi. Tu vois quand je te dis, hein? C'est cool, hein? Alors, ce petit porte-sucre d'orge, t'es un peu caché là, ma chérie. Pas grave. Attends, je vais remédier à ça tout de suite. On va décaler un petit peu la caméra. C'est pas là. Hop, on va faire ça. Regarde. T'as vu? C'est magique, t'as vu, t'es là. Oui, d'ailleurs, qui t'a baptisé Jay? Punaise, attends le zoom, tu vas prendre cher. Mon Dieu, le zoom des VIP le 16 décembre risque d'être gratiné, je le sens. Le groupe des VIP, c'est le groupe de mes clientes, en fait. Et puis, bah, chaque mois, je leur fais un petit zoom
privilégiés, on fait un projet juste ensemble pour eux. Donc, en général, c'est assez drôle. Donc, ce petit porte-sucre d'orge que je vous montre ici, voilà, une petite boîte toute simple. Vraiment toute simple, mais hyper sympa. Celle-ci, je l'ai travaillée avec la collection Noël en peinture. Vraiment super jolie. On ne voit plus du tout ce qui présente des grenouilles de la même façon. Crapouillot s'est insinué sournoisement dans nos esprits. Oui, ça c'est clair. J'ai du retard niveau zoom, je vais être très sage. Mais ouais, c'est ça, ben on en reparlera 16, hein, Crapouillot. Alors, cette collection de Noël en peinture. Disons qu'il y a de l'ambiance dans les zooms. Oui, je suis bien d'accord, il y a de l'ambiance. Mais c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on passe des bons moments. Vous avez la collection ici à l'image. Elle est en cours de réapprovisionnement, mais elle devrait revenir très bientôt, ne vous inquiétez pas. La collection que je vais utiliser aujourd'hui, vous la connaissez déjà, c'est Jardin d'Éden. Alors, celle-ci, attention, attention, elle est magnifique, mais à la fin de l'année, elle disparaît. Du moins pour le papier. Dès fin décembre ou 3 janvier, vous ne pourrez plus la commander. Donc si elle vous plaît, ne tardez pas à la commander, puisque je vous dis, après, elle ne sera pas reportée dans le prochain mini-catalogue. Donc c'est le moment. Une collection magnifique, avec un petit peu de dorure dans les papiers, je vous montre ça d'un petit peu plus près. Vous voyez, ça brille avec ce doré. On est vraiment dans les tons de vert, mais vraiment magnifique. Et puis on peut l'adapter hors Noël, vraiment, il y a plein de choses que l'on peut faire avec. Alors, vous êtes prêts? On y va? Allez, c'est parti. Je prends mon matériel. Merci, ma chérie. Alors, on y va. J'ai l'impression qu'il me manque une feuille. Non, c'est bon. J'ai tout. Je prépare tout ça. Ça y est, ils sont en forme. Alors, on y va. Pour la base de ce petit porte-sucre d'orge, il vous faut dans un premier temps un morceau de papier uni de 21 par 5,1. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne faites pas le projet en live. De toute façon, si tu te marres pendant que... C'est parce que tu dis les commentaires que tu rigoles ? Bah oui. Ah bah oui. Il y a de l'ambiance quand ils sont tous là. Mon Dieu. Qu'est-ce que je disais du coup? Ça m'a perturbée. Oui, donc je voulais vous dire que à la fin donc du live, vous retrouverez sur mon blog la fiche technique, la vidéo et la liste des produits que j'ai utilisés pour que vous puissiez faire et refaire ce petit projet. Donc, pas d'inquiétude, vous aurez tout ce qu'il faut. Donc, le papier uni 21 par 5,1, ça sera pour faire hop, la base ici du porte-sucre d'orge. Il vous faut également un autre morceau de papier uni de 10,2 par 5,1 qui lui va nous servir en fait à faire la partie boîte en fait dans laquelle on va insérer notre petit sucre d'orge. Ok ? Donc, ici vous avez les mesures. Et puis dans un second temps, vous avez l'habitude, on a besoin de papier de matage, de papier design. J'ai pas le temps de lire tous les commentaires du coup, mais ça a l'air d'être costaud. Et du papier de design et du papier de matage. Donc, je vais vous donner les mesures au fur et à mesure des autres papiers, d'accord? On va déjà s'occuper de la base avec les plis. OK? Et puis après je vous donnerai le reste. Non mais vous avez fini de dire tant de bêtises. Je suis sûre qu'il n'y en a pas un de vous qui est en train de faire le projet en même temps. Ou alors il a déjà été fait d'avance. C'est parti. Merci Madrine Dine de réussir à tenir le choc. J'adore le fouet. Non mais... Bon bah j'ai arrêté, je ferai en replay, pas le temps de dire vos bêtises. Ah bah tu vois Mému, je suis pas la seule du coup. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Alors, je prends le morceau de papier uni de 21 par 5,1.
et je vais venir marquer deux plis sur le bord long. Le premier étant à 5,1. Cathy, je te signale qu'il y a ma fille qui lit les commentaires. Au secours. 5,1 pour le premier et 6,3 pour le second. C'est pas un projet. Quel projet? Parce qu'on vient scraper, c'est pas une thérapie feel group de feel good de groupe. Ouais, en fait, je pense que c'est un petit peu des deux. S'il y a des nouvelles personnes aujourd'hui, j'espère que vous ne prendrez pas peur et que vous prendrez du plaisir. Mais tout ça, c'est du positif. je suis complètement perdue dans ce que je suis en train de vous dire. Je fais n'importe quoi. Bougez pas, hein. C'est qu'il faut que je me remette dans le... Ah si, ça y est. Je savais plus où j'en étais du coup. Ok, donc là on a fait les plis 5,1 par 6,3. Le second, je prends mon 10,2 par 5,1. Et je viens marquer ensuite des nouveaux plis sur ce morceau de papier. Un peu de concentration parce que je vous jure que là, je... 10,2, 5,1. Je fais un premier pli à 1,3. Mère Noël est déstabilisée. Non mais oui, forcément. Vous me perturbez. 1,3. Heureusement que c'est un projet simple, hein, parce que sinon je ne m'en sortirais pas avec vous. Et à 2,5. Et je vais faire la même chose sur l'autre côté. La logique aurait voulu, si j'avais pas été perturbée, que je le fasse dans ce sens-là. Mais bon, c'est pas grave. 1,3 et 2,5 de chaque côté de ce morceau de papier sur le bord long. J'espère que c'est clair. 1,3 et 2,5. Voilà. Bien. Pour ce qui est des plis, c'est fini. Heureusement. Alors, je vais prendre mon petit Stampin' Pierce, mon plioir. Oui, c'est de ta faute particulièrement, Crapouillot. Elle serait pas si énervée si tu n'étais pas en train de dire des bêtises tout le temps. Je viens marquer mes plis. Hop. Voilà. Est-ce que vous arrivez à suivre au moins? Est-ce que c'est bon pour vous? Dites-moi. Hop, voilà. Donc, pour ce morceau de 10,2 par 5,1, voilà ce que ça doit vous donner. Ok? Pour le grand morceau de 21 par 5,1, on a fait simplement deux plis. Hop, je viens tout de suite les marquer comme ceci. Ok? Ça va donner ça. Le principe va être, je vais vous montrer avant de coller, je vais prendre ce morceau-ci et il viendra se coller sur la partie avant là. Hop. Et en fait, on va rabattre à l'intérieur nos petites languettes que l'on collera à cette longue partie ici. D'accord? Voilà comment ça va se monter. Vous êtes perdu vous aussi? Bah oui, hein, l'échipier crapouillot, c'est sûr et certain. Est-ce que les autres vous arrivez à suivre? Est-ce que vous passez un bon moment? Rassurez-moi, s'il vous plaît. Bon, voilà comment ça va se présenter. Ok, vraiment très très simple. Avant de coller tout ça, je vais utiliser une de mes perfos préférées, la trio détaillée, qui nous permet tout simplement soit de faire des petites décos avec celui-ci, d'arrondir les angles ou de faire des petits trous. En l'occurrence, je vais m'en servir pour arrondir les angles du haut de mon porte-sucre d'orge ici. Ça, c'est vraiment
un indispensable, cette perfo, je l'adore. Oui, tu feras en replay, ma Cathy, il n'y a pas de souci, ma belle. Ok, ça, c'est bon. Je vais maintenant vous indiquer les mesures du papier de matage. Le premier mesurant 14 par 4,9 et le second 4,9 par 4,9. Oui, très bon, je me marre toute seule devant mon téléphone. Et vous savez, je suis sûre qu'elle va dire de faire attention après à arrondir ses angles. Exactement. Bravo. Effectivement, si vous avez comme moi arrondi les angles du haut de votre porte sucre d'orge pour la base, n'oubliez pas, évidemment, comme l'a dit Lily, de le faire sur le papier de matage. Donc celui-ci, le 14 par 4,9, eh bien, il viendra là. Et celui de 4,9 par 4,9 viendra en fait sur celui-ci. Coucou Nathalie, oui effectivement, c'est ma fille, c'est Lila qui a 11 ans et qui vient de plus en plus souvent avec sa maman faire le live. Voilà, j'espère que tu vas bien Nathalie. Ça viendra ici. Très bonne assistante notre Lily, exactement. Claudine, oui, c'est une vraie perle cette perfo, la trio détaillée, vraiment elle est hyper pratique. Vraiment pour plein de choses, pour nos albums, pour nos cartes, vraiment, vraiment le top. L'élève dépasse le maître, oui, je suis fière. Ok, donc avant de faire une bêtise, hein, je vais les arrondir tout de suite ces fameux angles parce que je suis capable de les oublier. Voilà. Oui, oui, Lily de temps en temps, elle vient et puis elle donne de très bonnes astuces, vraiment. N'est-ce pas? Oui. D'ailleurs, elle avait largement participé à un des lives pour faire des mini pochettes que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube ou sur le blog d'ailleurs. Alors, oh merci Patricia. Je vais Mais prendre. Non, c'était les cartes pyramides. Ah, c'était les cartes pyramides. Oui. Autant pour moi. Mais t'étais pas là pour les petites pochettes? Non, parce que j'ai. Enfin, si j'étais là, mais j'avais pas aidé ou des trucs comme ça. Ah oui. D'accord. Effacer carte des fautes. T'inquiète Claudine, il n'y a pas de souci. Mais je suis fière. Ouais, ouais, je suis fière. Donc, je vais prendre mon stamp pencil ici. Et en fait, je vais venir coller donc ces deux petites languettes ici pour venir, donc comme je vous le disais, coller à l'avant ici. Et je vais rejoindre hop, ici tout ça. Ok ? C'est pas mon style de faire des boulettes. J'ai pas encore fait de boulettes. J'aurais pu. Mais je n'en ai pas fait. Alors, je vais déjà coller l'avant. Voilà. Hop. Alors, si vous avez cette petite chose et que vous avez un petit peu de difficulté à l'utiliser, mon conseil, c'est de prendre votre tapis de silicone et d'en fait l'enclencher avant de venir coller. Parce que parfois, il faut aider un petit peu le ruban à avancer. Donc, vous l'enclenchez légèrement sur le tapis de silicone. Et ensuite, vous venez apposer votre colle. Ok, donc ça va venir, on a dit, comme ceci. On fait attention par rapport à nos plis latéraux. Et on colle bien droit sur le bas. Voilà, et maintenant, je vais pouvoir venir déposer ma colle sur les languettes les plus à l'extrémité, voilà, pour venir les coller donc sur l'arrière. Ouais, c'est flou, mais je suis désolée, j'y peux rien du tout. Hop. Parce que Cathy, elle dit que c'est flou, mais je peux... T'es disenchantant. Bah oui, je vais pas me mettre à pleurer. C'est pas le but. Ouais, ouais, je vais y arriver, ouais. T'inquiète. Hop, là. Voilà. Je fais pareil avec la deuxième. Voilà. Hop. Là, ça devrait être pas mal.
Et voilà, la base est faite. Donc vous avez vu, hyper simple, ça a bougé. Le vilain. Là. Et voilà, le plus gros effet, hein. Vraiment, trop de luminosité. J'ai même éteint la lumière que j'avais là. Donc là, pour le coup, je ne suis pas sûre. J'ai cru que c'était ma vue. Ouais, pour le côté flou, hein, je suis désolée. C'est le réseau, la caméra, j'ai pas de solution. Ici viendra se poser mon papier de matage. Et je vous donne maintenant les mesures donc, du papier design. Donc je vous laisse le matage ici. Celui-là, je vais venir le coller là. Le premier morceau de papier design mesure 13,5 par 4,4. Mais tu ne collais pas le matag avant? J'ai rien compris, Muriel. Tu ne colles pas le matage avant. Non, mais tu peux le coller avant si tu veux. Pas d'obligation. Le premier papier design, hop, qui viendra ici. Et le second qui va venir devant mesure 4,4 par 4,4. Voilà, je vous laisse. Hop, c'est peut-être un peu haut. Je vais les redescendre pour que vous voyez bien. Voilà, comme ça vous les avez sous les yeux. Hop. Donc je vais venir coller tout ça. Je n'oublie pas d'arrondir les angles de mon papier design, n'est-ce pas Lily? Tu me l'as même pas rappelé sur ce coup-là. Bah non, je l'ai rappelé une fois. Ouais, c'est déjà pas mal, c'est ça? Voilà. Hop. Ça va être trop beau. Ça va être trop beau. Je viens le coller. Hop. Voilà. Bon, ça va, je vous ai pas trop perdu quand même. Vous arrivez à suivre, hein. Ça permet de ne pas voir les longuettes. Oui, exact, Sandrine. Merci, ma biche. En effet. Ça cache. Alors, parce que Muriel demandait si je collais pas le papier de matage avant. Et du coup, le fait, effectivement, de coller tout ça après, ça permet de cacher un petit peu les languettes qui sont ici, hop, à l'intérieur. Comment tu vois que tu colles bien? Bah, si, tu le vois là, quand même. Tu vois? Quand tu le poses ici, tu vois que là, c'est bien centré. Non, t'es pas d'accord? Je sais pas. Mais si. Hop, je viens coller mon papier design pour le bas. Alors Chantal, merci beaucoup pour tous ces conseils très avisés. Mais en fait, avant de démarrer chacun de mes lives, je passe un coup de petite chiffonnette sur mes caméras pour être sûre que justement il n'y ait pas de résidus dessus. Donc malheureusement, je crains que ce ne soit pas l'origine du souci, mais vraiment un problème de réseau. Malheureusement, je suis en pleine campagne et je ne bénéficie pas encore de la fibre, malheureusement. Le dévidoir, alors j'ai eu vraiment hein, ce problème-là au départ, et avec la petite astuce que je viens de vous donner, eh bien vous verrez, ça marche super bien. Le fait de l'enclencher sur le tapis en silicone, ça aide énormément. Peut-être que Chouchou avait fait de la mécanique avec ta chiffonnette. Là, pour le coup, pour ce qui est de la mécanique, ce serait plutôt Mathéo avec sa moto, puisqu'il aime bien la démonter et la remonter. Mais non, ça, j'arrive encore à planquer des trucs, mais c'est pas impossible non plus. Hop, voilà, ça donne bien, hein. Quoi? Rien. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Pourquoi tu me regardes comme ça, Choupette? Je sais pas. D'accord, ok. Une petite déco justement pour finaliser un petit peu ce porte-sucre d'orge, n'est-ce pas? J'ai préparé une petite étiquette donc, que j'ai découpée dans le papier or et rose ici avec les poinçons que j'adore, hein, vous commencez à les connaître maintenant. Si je zoome un peu mieux, ça va mieux. Et j'ai tamponné donc le sentiment avec la collection pain d'épices et bonbons, embossé en doré.
Oui, ces étiquettes-là, j'en suis tombée amoureuse. C'est vrai que je les utilise beaucoup, beaucoup, mais vraiment, je les adore. Ça va venir orner ici. Ça va tomber pile poil en plus, vous allez voir. Ça rend super bien. T'aimes bien? Ça te plaît? Donc, embossage à chaud, poudre dorée, avec une étiquette magnifique. Il suffit de vraiment peu de choses. Que tu en croques l'extrémité, Maradine. Quelle idée, je te jure. Merci, ma Cathy. Ok, je viens coller ça ici. Ces petits cadres, ils se suffisent à eux-mêmes. Vraiment, ça habille en un rien de temps. Et du coup, après, bah, il suffit simplement de venir poser notre petit sucre d'orge avec lequel que je vais faire tenir avec un petit glue dot à l'arrière pour être sûr qu'il ne se sauve pas trop. Et puis je vais lui mettre un petit ruban comme je l'avais fait pour le premier ici que j'avais habillé avec un ruban rouge. Aujourd'hui, bien sûr, ça va être un ruban doré pour rester donc dans le thème de ce papier. Hop. Un ou deux petits glue dots. Voilà, nickel. Je vais mettre un deuxième. Crapouillot. Je ne ferai aucun commentaire, il y a des âmes sensibles. Eh bien, je sens que le zoom du 16 va être costaud. Ils vont me faire souffrir. Hop. Je vais le faire tenir là. Voilà. Comme ça va le maintenir. Hop. Et je vais ajouter mon petit ruban. Voilà, le fait qu'il soit tenu par les glue dots, ça va être plus simple. Oh mon Dieu, qu'ils ont l'esprit mal placé. Non, c'est si peu de le dire. Ça te fait rire, toi, évidemment, hein? Bien sûr, avec son air de pas y toucher. Lily, faudra pas être là. Non, elle sera pas là, t'inquiète. Non, non, non. Voilà, un joli ruban doré pour habiller tout ça. Hop. Allez, viens là, toi. Mets-toi dans le bon sens. Voilà. Zou. Je suis toujours aussi palmée. Voilà, ça y est, ça prend forme. Nickel. On va lui donner une jolie petite forme au bout. Hop, donc pour ça, je le plie en deux et je coupe en biais. Hop. Voilà, nickel, ça l'habille un petit peu plus, ce joli ruban. Non, les palmés, c'est à moi. Non, je vous jure. Hop, voilà. Fouf! Eh bien, ça y est! Notre deuxième porte sucre d'orge est terminée. Je vais enlever tout ça quand même pour que vous ayez. J'ai un cheveu qui me chatouille. Voilà. Nous avons notre deuxième porte sucre d'orge avec la collection Jardin d'Éden. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous plaît? Tu préfères laquelle, lequel, toi? Bah, je sais pas. Tu sais pas? Tu penches Non, vers lequel? je sais pas. Moi, je sais. Le Clem, je sais très bien lequel elle choisirait. Nickel. Le vert. C'est joli, hein? Et toi, lequel? Je sais pas. Tu sais pas? Les deux. Les deux? Bon, bah les deux. Alors, et vous, lequel vous préférez? Jardin d'Éden ou Noël en pâture? Dites-moi. Et du coup, ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas fait, mais vous vous souvenez que je vous proposais du coup de partager vos projets pour pouvoir inspirer les autres. Et si on s'y remettait? Parce que ça me manque, ça, hein, de voir toutes vos créations. Donc, je vous invite à nouveau jusqu'à jeudi soir de partager vos créations sous le live en commentaire ou sur ma page si vous n'arrivez pas à faire un commentaire sous le live, pas d'inquiétude. D'accord? Et puis, ben, je ferai un tirage au sort parmi les personnes qui ont partagé leurs créations dans le but d'inspirer les autres pour vous faire gagner un de ces portes sucre d'orge. Vous choisirez lequel vous préférez. Le sucre d'orge restera dedans, bien sûr.
Alors, Mumu préfère les deux. Martine, Fabienne préfère Noël en peinture. Nathalie, les deux sont superbes, merci beaucoup. Sylvie préfère Jardin d'Éden. Claudine aime bien les deux. Cathy, plutôt Jardin d'Éden. Bon, il y en a pour tous les goûts et c'est ça qu'on aime. Alors, hop. Donc, vous êtes partant? Vous publiez votre création jusqu'à demain soir sous le live en commentaire et puis bah, je tirerai au sort quelqu'un pour lui envoyer donc un de ses porte-sucre d'orge. Merci Chantal. J'ai pas de sucre d'orge, mais du coup, si jamais, de toute façon, le sucre d'orge restera dedans. Bien sûr, je vais pas vous envoyer le porte-sucre d'orge vide, hein, sinon ça sert à rien. Puis c'est pas mon genre, surtout. On est bien d'accord. J'espère voir plein, plein, plein de vos créations. Muriel, tu aimes bien les deux? Bon, super. Merci ma Sandrine. Alors n'oubliez pas, hein, je vous rappelle, la livraison offerte aujourd'hui, seulement aujourd'hui, jusqu'à quelle heure, Lily? 23h, oula, 23h59. Précisément, cette nuit. Donc dès 40 euros d'achat. Donc surtout, profitez-en pour vous faire plaisir aujourd'hui. Et puis, si vous n'avez pas encore fait la demande de votre mini-catalogue janvier-juin 2022 et surtout, un, que vous n'êtes pas déjà ma cliente et deux, que vous n'avez pas déjà de démonstratrice parce que, soyez tranquille, elle a déjà prévu de vous l'envoyer, eh bien, remplissez le formulaire qui est en haut de la publication. Vous avez le lien pour que je puisse vous envoyer votre exemplaire. Toutes celles qui se sont déjà inscrites, ça y est, c'est parti, ça arrive chez vous. Voilà, et eh bien du coup, ça y est, on a terminé. Ouais. On arrive à la fin de ce live déjà. Ah, vous m'avez encore donné chaud, hein, les chipis et crapouillots. J'espère que les nouvelles personnes qui étaient là aujourd'hui ont passé un bon moment. Tu crois qu'ils n'ont pas eu trop peur? Non. Non? T'as pas l'air très très sûr, hein? Bon, en tout cas, j'espère vraiment, sincèrement, que vous avez passé un bon moment, que cette petite bulle, cette petite parenthèse vous fait autant de bien qu'à nous. Nous, ça nous permet de nous détendre toutes les deux, de passer un petit moment ensemble. Et puis voilà, on pense à autre chose, on rigole. Voilà, j'espère que ça vous fait autant de bien qu'à nous, en tout cas. De toute façon, on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau live. N'oubliez pas que le 22, 29 décembre, il n'y aura pas de live. Je prends une petite semaine de vacances parce que ça rouspète. Voilà. Bon, en même temps, c'est Noël, hein. Ici, le live est animé. Nous avons passé un très bon moment, les filles. Merci. Merci, Fabienne. Et Lunia, non? Oui. Ouais, Lunia. Et puis, du coup, voilà. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'informations, je suis à votre disposition. Et puis voilà, on se donne rendez-vous très très vite. N'oubliez pas de poster vos publications, vos créations, pardon, avec le hashtag HarmonyScrap. On vous embrasse? Ouais? T'embrasses tout le monde? Au Ouais. revoir. On vous embrasse très très fort. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à très bientôt. Bel après-midi. Ciao, ciao.